Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne ici et maintenant, que vous écoutez sur la 95.2 FM ou bien sur internet, le site ici et maintenant.com ou même sur vos applications pour smartphone, les applications radio. Eh bien, c'est Morgane avec vous aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse interactive. Nous allons voir ensemble les différents sujets qui occupent l'actualité d'aujourd'hui et vous aurez cette possibilité d'intervenir, de réagir, de partager votre opinion avec nous sur ces différents sujets que nous allons voir ensemble tout au long de cette émission. Eh bien, sachez que vous avez pour cela deux moyens d'action, cette possibilité de vous connecter sur le forum de la radio, le forum .fm, ou bien d'intervenir en composant le numéro du standard qui est le 08 92 23 95 20. Alors le principal sujet dans l'actualité, c'est concernant la météo, ces orages que nous avons pu constater depuis plusieurs jours. Autre sujet également dont on nous fait part dans l'actualité, c'est concernant la suite du feuilleton Nordal-Lelandais. Quelques explications bien sûr dans quelques instants. Et oui, les orages se succèdent sur toute la France depuis plus d'un mois. Les orages se succèdent sur le pays à un rythme effréné. Le mois de mai a battu des records et juin pourrait bien faire de même, une situation inédite depuis au moins 20 ans. Nous allons avoir des explications sur les différentes raisons par rapport à ces orages. Et puis concernant Nordal-Lelandais, eh bien, il est soupçonné d'agression sexuelle sur une petite fille de sa famille. Une vidéo sur laquelle une fillette subit une agression sexuelle a été retrouvée sur le portable de Nordal-Lelandais. Selon plusieurs sources proches du dossier, il s'agirait d'une cousine de celui qui a avoué les meurtres de Maïlys et d'Arthur Noyer. Ce dernier n'a pas encore été confronté à cette vidéo. Également, les explications de la suite de ce feuilleton que nous avons abordé précédemment sur l'antenne d'ici et maintenant. Mais pour commencer, eh bien, quelques explications sur la météo que nous constatons. Donc, c'est dernier jour, vous avez sans doute l'impression qu'il n'y a quasiment pas eu de journée sans orage depuis le début du mois de mai. Eh bien, vous avez presque raison, puisque seule la journée du 2 mai n'a pas connu d'impact de foudre en France. Sinon, le tonnerre s'est fait entendre tous les jours avec une intensification et une multiplication des orages depuis une dizaine de jours. Cette situation exceptionnelle est liée, eh bien, à la présence d'une dépression portugaise qui ne semble pas vouloir s'en aller tout de suite. Depuis le milieu du printemps, la situation météo en Europe s'est inversée. Si traditionnellement, à cette époque de l'année, l'anticyclone des Açores étend progressivement son influence en direction de l'ouest de l'Europe, apportant ainsi de plus en plus de douceur et de soleil, il a décidé de prendre pour l'instant ses quartiers en Scandinavie. Ainsi, le mois de mai a été le plus chaud, le plus ensoleillé et le plus sec jamais observé en Norvège ou encore en Suède, avec des températures qui ont souvent dépassé les 25 voire même les 30 degrés Celsius à l'ombre. Pendant ce temps, eh bien, les conditions météo étaient dépressionnaires dans le sud-ouest de l'Europe. Ainsi, le Portugal, l'Espagne mais aussi le sud de la France essuyaient un temps souvent instable, orageux et frais, avec rarement plus de 20 degrés. Ce temps plutôt digne de l'automne que du printemps est lié, eh bien, à la présence de petites dépressions au large du Portugal. C'est ce que l'on appelle en météo des gouttes froides, car elles renferment de l'air froid en altitude et possèdent une forme de goutte, d'où leur nom. Leur position géographique, eh bien, favorise dans le même temps la remontée d'air chaud et humide depuis la
la Méditerranée en direction de la France. Ainsi, lorsque cet air chaud rencontre l'air froid de la dépression en altitude, un conflit de masse d'air se met en place et des orages peuvent alors se déclencher là où le conflit est le plus marqué, c'est-à-dire en France, le pays européen qui a d'ailleurs été le plus foudroyé en mai. Il faut savoir que l'une des caractéristiques des orages qui ont balayé la France ces derniers jours et qui continuent à toucher de nombreuses régions, ce sont ces pluies parfois diluviennes donc, et qui conduisent à des inondations de type cru et clair. Prenons ainsi l'exemple de la ville de Morlaix dans le Finistère. Elle a reçu ce dimanche, enfin d'après-midi, l'équivalent d'un mois de pluie en une heure, donc 47 mm en moins de 30 minutes. Lorsque de telles quantités de pluie tombent en un laps de temps aussi court, cela conduit inévitablement à des inondations car les sols ne peuvent absorber ces quantités aussi rapidement. Ainsi, les cours d'eau sortent rapidement de leur lit. C'est ce que l'on appelle donc une crue éclair. De telles quantités de pluie peuvent aussi s'expliquer par l'alimentation en air humide venue de Méditerranée qui est constante depuis la mise en place de cette situation. Par ailleurs, les orages se déplacent assez lentement car il n'y a pas beaucoup de flux en altitude. Ainsi, l'absence de forts courants ne permet pas aux cellules orageuses de se déplacer rapidement et les pluies peuvent alors s'accumuler sous les cellules orageuses qui touchent ainsi un même secteur pendant plusieurs dizaines de minutes, voire pendant une ou deux heures. Le risque d'inondation, très difficile à localiser avec précision, persistera au cours des prochaines heures, notamment entre la Normandie ou encore vers la Franche-Comté. Et puis, Météo France a ainsi donc maintenu 17 départements en vigilance orange jusqu'à mardi matin. Voilà donc quelques explications sur la raison pour laquelle il y a tant d'orages ces dernières semaines. C'est un sujet que vous avez sans doute dû entendre pas mal de fois dans les différentes chaînes d'information. C'est, on peut le dire ainsi, le principal sujet qui occupe l'actualité ces derniers jours. On va passer également aux différents sujets d'actualité. Voilà, c'était quelques informations nécessaires à savoir par rapport à la météo qui nous concerne tous donc en France. Vous pouvez tout de même réagir évidemment pour partager votre avis en composant le numéro du standard qui est le 08 92 23 95 20. Show me the way, give me the love I need to take. Deep in my heart, I hold the word I need to say. Show me the way. L'autre sujet qui fait la une également de l'actualité, c'est par rapport à la suite du feuilleton macabre Nordal-Lelandais qui est soupçonné d'agression sexuelle sur une petite fille de sa famille. Une vidéo sur laquelle une fillette subit une agression sexuelle a été retrouvée sur son portable. L'étude du téléphone de Nordal-Lelandais et des images pédopornographiques qu'il contenait lors de sa saisie par les enquêteurs a livré de nouveaux éléments. Une vidéo d'agression sexuelle sur une fillette y a été découverte selon les informations. La petite victime est la cousine de l'ex-militaire qui a reconnu avoir tué accidentellement Maëlys. Elle est âgée de moins de 7 ans. Dans le cadre de ces nouveaux soupçons, Nordal-Lelandais a été extrait de sa cellule de l'hôpital de Vinatier pour être conduit à son domicile
En Savoie, cette vidéo a été tournée une semaine avant l'enlèvement de Maëlys dans la nuit du 26 au 27 août 2017 lors d'une fête de mariage. Selon plusieurs sources proches du dossier, elle a probablement été filmée au domicile de Nordal Le Landais chez ses parents. D'après les informations également, des éléments permettent de dire qu'il s'agit de l'ancien maître chien de l'armée sur cette vidéo. Le parquet de Grenoble se refuse à tout commentaire sur cette affaire. Cette petite fille et ses parents sont donc originaires du sud de la France, mais selon donc les informations, ses parents n'étaient pas au courant évidemment de cette vidéo donc qui était dans le portable de Nordal Le Landais. Nous allons avoir plus d'explications dans quelques instants. Restez à l'écoute et on va accueillir les auditeurs également pour les différentes réactions que vous pouvez avoir. Je vous rappelle le numéro du standard qui est le 08 92 23 95 20.